Alors nous avons pratiquement tous le même point commun en ce début du XXIe siècle, c'est que l'on manque de temps. On manque même de temps pour mettre en place ce qui nous permettrait de gagner du temps. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir une solution efficace pour retrouver un peu de temps pour vous et pour votre groupe. Alors il y a deux façons complémentaires pour gérer son temps. Vous avez un agenda avec des rendez-vous, et puis vous avez une liste de tâches que vous pouvez gérer à la main ou avec plein de post-it ou avec des méthodes du type GTD ou d'autres choses. On avait déjà vu effectivement une méthode comme Zen To Do, par exemple, pour gérer tout ça. Notre agenda, il est réservé pour les rendez-vous avec les autres. Et la liste de tâches, c'est ce que l'on doit faire nous-mêmes. Et alors dans notre liste de tâches, nous avons des tâches urgentes et puis des tâches importantes. Et souvent, les tâches urgentes passent avant les tâches importantes qui n'arrivent pratiquement jamais. Nous avons aussi le temps avec des heures et des minutes, le temps objectif, mais nous avons aussi du temps de cerveau disponible et que nous prend d'ailleurs Netflix ou les YouTube et autres. C'est la fameuse phrase de Lelay, l'ancien patron de TF1, qui disait mon métier, c'est de vous prendre du temps de cerveau disponible pour le vendre à Coca-Cola. Alors l'astuce, c'est de prendre rendez-vous avec vous. C'est-à-dire que plutôt que de mettre ces tâches-là sur votre liste de tâches, les mettre sur votre calendrier. Alors prendre rendez-vous avec vous ou avec votre groupe ou avec votre formation, par exemple. Alors comment faire? Eh bien tout d'abord, vous allez définir ce que vous voudriez faire avec une heure par semaine. Est-ce que vous voulez la passer pour votre groupe? Pour faciliter votre groupe? Est-ce que vous voulez vous former? Est-ce que vous voulez vous remettre à jouer de la musique? Une fois que vous avez choisi ça, eh bien définissez un jour et une heure de rendez-vous la semaine, mais chaque semaine. Et d'ailleurs, maintenant, mes élèves dans l'Académie Animation Pro, eh bien, pour accéder maintenant à l'Académie, eh bien, ils doivent me donner effectivement le jour de la semaine et l'heure à laquelle ils ont prévu de faire ça. Et alors, très très important, le troisième, c'est de marquer sur votre agenda, parce qu'on va commencer à poser un acte, on va marquer quelque chose. Donc, marquez-le sur votre agenda chaque semaine. Pour toutes les semaines qui viennent, pendant un certain temps, si vous avez un agenda électronique, eh bien, vous pouvez le mettre de façon répétitive. Quatrièmement, petite astuce, eh bien, une fois que vous avez posé cet acte, vous dites-le à tout le monde. Dites que pendant ce moment-là, eh bien, d'abord, on ne vous dérange pas, et puis deuxièmement, eh bien, vous allez faire ceci ou cela, et de manière à ce que ce ne soit pas que vous-même qui ayez ces informations-là. Et puis, bien sûr, lorsqu'on a un rendez-vous, eh bien, on peut avoir un impondérable. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'annule pas forcément le rendez-vous, on décale le rendez-vous. Et donc, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que si une semaine, eh bien, le mardi à 9h ou le jeudi à 18h, eh bien, ne convient pas, eh bien, c'est pas grave. Décalez votre rendez-vous et marquez votre nouveau rendez-vous sur votre calendrier. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment de votre rendez-vous non, pas avec quelqu'un, avec la musique, avec la formation, avec vous-même, avec votre groupe, mais pour préparer des choses sans avoir forcément pris rendez-vous avec les gens avant. Eh bien, tout d'abord, comme dans tous les rendez-vous, eh bien, on va ouvrir la porte. Et pour ça, eh bien, moi, j'utilise par exemple une petite musique qui est toujours la même et elle me met dans cet état d'esprit qui me permet de démarrer les choses. Donc, essayez de trouver votre rituel pour commencer ce moment-là et vous allez voir qu'effectivement, eh bien, ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez choisir. Alors, les écrivains font beaucoup ça aussi. Alors, par exemple, ils vont disposer une bougie ou alors on va mettre une musique ou on va faire quelque chose. Et puis, comme pour n'importe quel rendez-vous, eh bien, coupez toutes les perturbations pendant une heure. C'est-à-dire que ça ne serait quand même pas convenant, si vous étiez en rendez-vous avec quelqu'un, de décrocher votre téléphone mobile à tout bout de champ. Eh bien, pareil, pour ce rendez-vous particulier, eh bien, vous faites la même chose. Coupez les téléphones, coupez les notifications pendant une heure, simplement. Et un petit bonus. Alors, si vous avez vraiment du mal à prendre rendez-vous avec vous-même, eh bien, une petite astuce. Demandez à un ami de vous appeler à l'heure du rendez-vous. Juste pour vous dire bonjour et vous souhaiter une bonne formation, un bon moment avec votre groupe, un bon moment de musique, un bon moment avec vous-même, ce que vous voulez. Et vous allez voir que si vous faites ça les 2, 3 premières semaines, comme vous avez ce rendez-vous avec la personne, même si c'est un simple coup de fil, eh bien, vous le respectez. Et puis, une fois que vous êtes lancé, eh bien, ça continue, c'est assez facile. Vous allez voir, ça marche pas mal du tout. J'ai même commencé à faire ça avec certains des élèves qui avaient du mal, justement, à se mettre à la formation à tel moment. Et vraiment, c'est quelque chose qui marche pas mal. Alors, à vous de jouer. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire avec une heure par semaine? Est-ce que vous voulez la passer pour votre groupe? Est-ce que vous voulez définir que vous allez faire quelque chose pour vous-même, pour vous former, pour gagner du temps par exemple, ou faire d'autres choses? Et définissez-le maintenant, parce que c'est maintenant que vous pouvez le faire. Si vous ne faites pas pendant cette vidéo, eh bien, je peux vous le dire que vous le ferez jamais. Donc, essayez de vous dire ça et puis essayez de trouver le jour et l'heure là-dessus. Ne quittez pas votre écran avant d'avoir décidé le jour et l'heure.
et bien sûr de le mettre sur votre calendrier. Essayez ça, vous allez voir, c'est pas une heure, ça peut toujours se prendre dans la semaine, mais vous allez voir que c'est absolument magique parce que une heure vraiment dédiée avec ce rendez-vous à quelque chose, eh bien en formation vous allez avancer avec votre groupe, vous allez pouvoir continuer. Comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, liker, et puis vous pouvez aussi télécharger, si vous n'avez pas encore, le guide de l'animateur, une heure par semaine justement pour animer une grande communauté, donc ici, et bien sûr, eh bien, 7 heures par semaine, vous savez maintenant comment l'avoir. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau truc d'animation.